finale du ranking 702 sur Garou Mark of the Wolves entre Mixou qui va jouer un grand orange et Iken Nogueff avec son gâteau. Allez, Mixou qui arrive des winners avec son sale perso. Iken Nogueff qui me confiait qu'il aimait pas du tout ce match-up. En même temps, qui aime ce sale perso de merde? Allez, rien derrière les deux bas. Ah, dommage. Allez, faut confirmer, dommage, pas de Shoryu. Peut-être qu'il fallait faire le Demon Flip Kick là. Je ne sais pas. Ouh, bizarre, pas de punition là-dessus. Pour l'instant, statu quo entre les deux joueurs. Pas de confirme sur les deux bas. Mal au pied, mal au pied. Ouais, ça c'est pas safe ça. Oh, pas puni comme il faut. Dommage. Oh là, Grant, il fait trop mal. Mal au pied, mal au pied. Et là, mine de rien, retard important. Enfin, il va falloir tout donner pour revenir. Et Mitsu qui reste en garde. Victoire au time over sur ce premier round un peu étrange où ça s'est beaucoup observé. Ça joue prudemment. Et un garde confirme. Eh, mais est-ce que c'est safe? Peut-être qu'il fallait guard cancel, je ne sais pas. Ouais, reversal Reka. Et ça combotte à 15 km. Normal, il a le droit. Allez, sauvi de Just Defense, ça c'était pas mal. Ouais, le Reka, à mon avis, qui était pas bien safe, mais il n'y avait pas la furie. Et un pif puni par une S-Power de la part de Grant et 1 à 0 pour Mitsu. Mitsu a un match de la victoire sur ce ranking après sa victoire sur 3-3 à l'instant. Allez, mal au pied, mal au pied. Dommage, pas de confirme sur ce saut. Allez, c'est parti. Ah, il n'y avait pas plus que ça à mettre. Bon, c'est déjà pas mal. Ça fait un quart de barre normal. Eh, bien joué. Bah, petit point Fury. Façon Rugal CVS2. Un Kopan-Kopan, comme diraient les Japonais. Kopan-Kopan. Eh, yes, le combo 5 hits, ça fait... Ça ferait des dégâts sur des persos autres, mais sur Grant, en fait, on voit à peine sa barre de vie descendre parce qu'il a de la vie en plus, ce sale connard. Et c'est déjà la balle de match double pour Mitsu. Mal au pied, mal au pied. Allez, overhead bien confirme par la Fury. Et au moins, ça va le faire sortir. Oh là là, ça lui a quasiment rien enlevé. Mais au moins, ça l'a fait sortir de sa top attaque. Donc là, maintenant, à moins d'une série de Just Defend, il n'y retournera pas. Ouais, ça punit pas. Il a raté le reversal, je crois. Overhead, rien, dommage. Allez, backdash sur la balayette. Là, Iken Nogueff qui est déjà un peu mieux dans ce match. Par contre, Mitsu, il a de la barre. Donc, sur un bas petit point, il va faire très mal. Allez, sur arrière, c'est pas mal ça. Dash avant, mal au pied. Ça, c'est pas safe ça. Voilà, je pense que... Et pour être sûr, une petite furie. Mais il va quand même falloir qu'il aille voir le médecin Grant avec ses douleurs au pied. Toujours une balle de match pour Mitsu. Ouais, ça s'arrange pas. Allez, dash avant chop. Le Grant qui est en top attaque, autant vous dire que sur... Et là ça va faire mal, il a mis que la S malheureusement pour lui. Ça fait quand même bien mal. Il aurait pu mettre une P, peut-être qu'il voulait la garder pour un autre combo. Allez, mal au pied. La Mitsu sur une ouverture, c'est quasiment la mort. Hein. Ah, plus de top attaque pour Gato, ça se complique. Allez, instant R. Ça punit ça. Ah non, ça n'a pas assez de portée. Allez, c'est pas safe ça, si. Allez, la chope, par contre, gros retard à l'énergie. Yes, bien confirme, bas petit point, bas petit point.
Mais ça ne fait pas grand chose. Encore un retard à l'énergie. Et là maintenant ça va camper. Et c'est quasiment fini. Il faudrait un miracle. Ah, dommage. Allez, c'est fini. C'est... Et victoire de Mitsu sur cette phase un peu confuse. Vous l'avez entendu. Allez, victoire de Mitsu sur Iken Nogueff qui fait une finale, sa deuxième consécutive d'ailleurs, je crois. Et on s'arrête là pour les rankings arcade aujourd'hui. Merci à ceux qui nous ont suivis et on vous dit à très bientôt. A plus.